Programme chargé pour la ministre des Outre-mer en visite de 5 jours en Guadeloupe. Après des passages prévus de Port-Louis à Dée en passant par Petit-Bourg, Madame Girardin est attendue ce samedi 3 mars à la préfecture de Basse-Terre. Je serai rejoint justement sur ce sujet économique par Gérald Darmanin en fin de semaine, le ministre de l'Action et des comptes publics. La question de l'eau, bien sûr, qui est essentielle ici en Guadeloupe, et je vais être rejoint par le secrétaire d'État Le Cornu qui arrive lui aussi vendredi. Et puis le troisième sujet est un sujet attractivité du territoire lié aux différentes opérations qui sont mises en place aujourd'hui par l'État. Et j'irai donc sur le terrain et notamment voir les opérations logement, embellissement et aménagement du territoire. J'ai bien conscience que je suis attendue sur la question de l'eau. L'objectif est de voir avec l'ensemble des élus comment nous avançant sur les travaux qui ont commencé déjà depuis plus d'une année. Ce dossier est suivi plus spécifiquement par Sébastien Lecornu, mais vendredi j'animerai une réunion de coordination et j'espère qu'on pourra faire effectivement à l'issue des annonces, mais des annonces qui concernent aussi les élus, donc c'est une co-construction de cette future feuille de route. Madame Girardin sera accompagnée de Monsieur Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, et de Monsieur Lecornu, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui arriveront ce vendredi. Leur retour dans l'Hexagone est prévu pour lundi.